Bonjour à tous et déjà merci d'écouter ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour placer sur l'écran d'accueil de votre iPhone l'icône d'un site internet. Grâce à cette astuce, vous allez pouvoir gagner du temps. Imaginez par exemple que chaque jour, vous consultez le site internet du journal Métro, mais que ce site internet ne possède pas d'application, que ce journal ne possède pas d'application. Le fait de consulter chaque jour cette même page du journal Métro vous demande normalement d'ouvrir Safari, d'inscrire dans le champ de recherche Métro et ensuite de cliquer sur le lien du site internet du journal Métro. Grâce à cette astuce, le site du journal Métro sera sous la forme d'une icône sur l'écran d'accueil de votre iPhone. Vous n'aurez donc plus besoin de réaliser cette démarche de rechercher le site internet du journal Métro. Comment ça marche? Je me trouve maintenant sur le site du journal Métro. Je veux placer ce site internet sur l'écran d'accueil de mon iPhone. Pour ce faire, je vais toucher le bouton Envoyer qui se situe juste au-dessus du bouton Home de votre iPhone pour ceux qui ont un iPhone encore muni de ce bouton. Pour ceux qui ont un iPhone X ou supérieur, ce bouton Envoyer se situe tout en bas de l'écran à l'endroit où vous mettez votre pouce pour réaliser le geste qui vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Je touche donc Envoyer. Envoyer. Bouton. Une liste d'options apparaît à l'écran. Je fais glisser mon doigt de gauche à droite. Copier. Bouton. Sur l'écran d'accueil. Bouton. Jusqu'à entendre sur l'écran d'accueil. Copier. Sur l'écran d'accueil. Bouton. Déplaçable. Je touche donc deux fois l'écran avec un doigt. Champ de texte. Modification en cours. Actualité archive ligne verticale métro. Un clavier AZERTY apparaît à l'écran. Celui-ci me donne la possibilité de nommer le site internet exactement comme je veux le voir apparaître sur mon écran d'accueil, exactement comme je veux l'entendre sur mon écran d'accueil. Actu. J'inscris donc métro. M-Z-E-E-T-T-R-R-I-O-O. Enfin, je touche terminer en bas à droite sur l'écran. Terminé. Sur l'écran d'accueil de mon iPhone, je peux maintenant entendre Cititre, métro. Métro. Et nous rando. Métro. Page 11 sur métro. Et nous GR rando. Et nous rando. Métro. Lorsque je touche cette icône, me voilà directement sur le site du journal Métro. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez une question sur Safari et l'iPhone, alors surtout envoyez-moi un mail à l'adresse vincent@fondationic.be. vincent@fondationic.be. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques.